que vous ayez le document, que vous puissiez suivre en même temps que moi. Bonsoir à toutes et à tous. Est-ce que vous voyez le partage du mot que j'ai? Voilà. Voilà, je pense que cette fois-ci, c'est bon. On peut démarrer. Parce qu'il y avait un petit souci avec le partage du document. Aujourd'hui, nous allons entamer l'étude de la séquence 2 qui porte sur l'individualisation de la personne. Est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Alors, je disais aujourd'hui, on va entamer l'étude de la séquence 2 qui porte sur l'individualisation de la personne. Après avoir vu la séquence qui porte sur l'acquisition sur la personnalité juridique, et nous avons étudié les questions qui étaient liées à l'acquisition de la personnalité juridique. Comment est-ce qu'on acquiert la personnalité juridique? Nous avons également vu la question de comment est-ce que cette personnalité juridique se perd et également les questions qui sont liées
aux incertitudes sur l'existence de la personne, toujours en rapport avec la perte de la personnalité juridique, lorsqu'il y a des doutes sur l'existence de la personne avec ce qu'on appelle l'absence et la disparition, qui font que l'on ne sait pas si l'individu, l'on a des doutes pour savoir si l'individu est toujours en vie ou pas. La question qui est liée à l'individualisation de la personne permet tout simplement de pouvoir identifier la personne dans la société. Parce que chaque sujet de droit qui vit dans la société a besoin d'être identifié. La personnalité juridique, on a vu qu'elle permet au sujet de droit d'acquérir des droits. Elle leur permet également d'exercer ces droits-là. Donc, on a, lorsqu'on acquiert la personnalité juridique, on a la capacité de jouissance, on a la capacité d'exercice. Mais les attributions qui sont rattachées à la personnalité juridique permettent d'individualiser la personne. Et c'est important de pouvoir identifier chaque individu vivant dans la société. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ici, par rapport à l'individualisation, il s'agira de voir exactement les questions qui sont liées à l'identification en rapport avec la nationalité de la personne. Le sexe, la filiation, la date de naissance de la personne, etc. Parce que c'est important, les pouvoirs publics, l'administration aussi, de même que les autres sujets de droit, ont chacun un intérêt à ce que chaque personne, chaque individu qui vit dans la société puisse être individualisé, puisse être identifié de manière précise. Alors, je vois que il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est flou, on entend mal. Est-ce que c'est valable pour tout le monde? Parce que je ne pense pas que ce soit pour tous les autres. Du moment où il y a des étudiants qui entendent, ce qui veut dire peut-être que c'est à votre niveau. Les objectifs pédagogiques que l'on peut retenir par rapport au cours de première année de droit, et ici, c'est de pouvoir amener les étudiants par rapport à cette partie du cours-là, de leur permettre d'identifier la personne. Dans cette partie du cours-là, nous allons voir comment est-ce qu'on peut identifier la personne au sein de la société. Il y a le nom et le domicile qui permettent d'identifier une personne qui vit dans la société. Et ce sont deux sections différentes que nous allons étudier. La première va porter d'abord sur le nom avant que l'on étudie la section qui porte sur le domicile. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque être humain a une individualité qui lui est propre et qui permet de le distinguer des autres. Toutes les personnes qui sont membres d'une famille ont une identité qui leur est propre. Chacun a une identité qui lui est propre. Et ça permet tout simplement de pouvoir individualiser cette personne-là au sein de la famille. S'il y a dans une même famille des personnes
des frères et sœurs, si on ne parvient pas à les identifier non seulement par leur nom, mais également par leur date de naissance et tout, on risque d'appeler une personne et tous les membres de la famille vont répondre. Par exemple, les membres de la famille Ndiaye, s'il n'y a pas d'individu, par exemple, si tous les membres de la famille n'avaient pas de prénom, ils avaient juste un nom de famille, dès l'instant qu'on dira Ndiaye, tout le monde cherchera à répondre. C'est pourquoi il est important, et pour des besoins aussi pratiques de la vie sociale, on exige que l'on puisse tout simplement identifier les personnes. Et ceci, c'est grâce à une procédure. La loi également réglemente cette procédure-là. Et les éléments qui permettent d'identifier une personne au sein de la société, il y a le nom, il y a le domicile. Et par rapport à ce nom et à ce domicile-là, on peut y adjoindre tout simplement les actes de l'état civil, de même que les actions d'état. Les actes de l'état civil permettent de voir également par rapport à la situation d'une personne. Et ça permet aussi d'avoir des éléments suffisants pour identifier la personne au sein de la société. Alors, parlant du nom, le nom, le législateur sénégalais n'a pas donné la définition du nom. Et on retrouve la partie qui concerne le nom étudiée à partir de l'article 2 du Code de la famille. L'article 2 du Code de la famille précise tout simplement que le nom se compose du nom patronymique et ou des prénoms. Les questions qui sont liées au nom, c'est-à-dire les éléments matériels du nom, sont réglementées par le législateur parce que le législateur également, en étudiant la question du nom, vise à sauvegarder le droit au nom et à le protéger. Parce que quand on prendra après les dispositions de l'article 8 et même l'article 9 du Code de la famille, on verra que ici, le législateur a mis en œuvre des moyens qui permettent de protéger le nom, de le sauvegarder. Partant de l'article 2 du Code de la famille, nous allons voir les éléments constitutifs du nom. L'article 2 dit que le nom se compose du nom patronymique et ou des prénoms. Donc, toutes les fois où on parlera de nom, sans pour autant faire une précision, il faudra comprendre par là que là, on parle du nom patronymique et du prénom, ou bien et ou des prénoms. Les éléments constitutifs du nom, nous avons le nom patronymique, nous avons également le ou les prénoms. Pour ce qui est du nom patronymique, on l'appelle communément nom de famille. C'est le plus souvent ce que vous entendez, nom de famille, nom de famille. Quel est ton nom de famille? C'est Ndiaye ou autre. Le nom de famille fait référence au nom patronymique. Donc, en droit, le principal mode d'acquisition du nom, c'est par la filiation. Le nom, c'est l'appellation servant à désigner une personne dans la vie sociale et juridique. Je reprends. Le nom, c'est l'appellation servant à désigner une personne
dans la vie sociale et juridique. On parle ici de nom propre qui se compose de divers éléments d'importance inégale qu'il convient de rappeler avant de s'interroger également sur sa nature juridique. Quelle est la nature juridique du nom? Nous verrons ces éléments-là. C'est pourquoi on commence par l'étude du nom patronymique. Le mode principal d'acquisition du nom patronymique, c'est par la filiation. C'est pourquoi on parle ici de lien biologique par rapport à une personne qui donne son nom patronymique à un enfant. Du fait de ce lien biologique-là qui lie la personne avec l'enfant. Le nom patronymique ou nom de famille appartient à tous les membres d'une famille. C'est un nom qui n'appartient pas tout simplement à une personne ou bien à un seul membre de la famille, mais cela appartient à tous les membres d'une famille. Donc, chacun de ceux qui portent le nom patronymique se distingue ici par des autres de par leur prénom. C'est pourquoi tout à l'heure, on a dit que le nom, il est important de pouvoir individualiser chaque personne personnellement au sein de la famille. Parce que si on est issu d'une même famille et qu'on n'a pas de prénom, on risque d'appeler les autres, de juste prononcer le nom patronymique et chacun des membres de la famille va répondre par oui. On pensera tout simplement que voilà, c'est moi qu'on a appelé. L'autre aussi va penser que c'est lui également qu'on a appelé. Or, ici, il y a les prénoms qui permettent de différencier cela, qui permettent de tout simplement identifier chacun personnellement et d'appeler chacun par son prénom avec le nom patronymique. Donc, il faudra retenir que le mode principal d'acquisition du nom patronymique, c'est la filiation. C'est la filiation. Et les parents aussi, de par cette filiation-là, donnent à leur enfant un nom. Et ce nom-là est appelé nom patronymique. Ici, en parlant de nom patronymique, on fait référence au père. Parce que quand il s'agit ici de voir la question qui est liée au lien biologique, il s'agit bien sûr du lien biologique des parents. Mais il y a une certaine préférence qui est donnée au père. C'est pourquoi on parle de nom patronymique. Alors, il faudra retenir aussi par rapport à l'acquisition du nom patronymique par la filiation, il faudra retenir quelque chose d'important. C'est quoi? C'est par rapport à la situation de l'enfant, la filiation de l'enfant. Est-ce que c'est un enfant légitime? Est-ce que c'est un enfant naturel? Ou est-ce que c'est un enfant adoptif? Par rapport à la situation qui est liée à la filiation légitime, l'enfant légitime porte le nom de son père. Parce qu'on peut acquérir la filiation, le nom patronymique du moins, par la filiation légitime, soit par la filiation naturelle. Il y a aussi l'acquisition par la filiation adoptive ou bien tout simplement par le mariage. Et il y a un troisième point qui permet d'acquérir le nom patronymique tout simplement par décision de l'officier de l'état civil. Pour ce qui est de l'acquisition du nom patronymique par la voie de la filiation, concernant la filiation légitime, l'enfant va porter le nom de son père. Parce que l'attribution du nom de l'enfant né du mariage avec ses parents, ça fait partie d'un effet de la filiation paternelle.
Donc, lorsque l'enfant naît dans le mariage, on considère que cet enfant-là a pour père le mari de sa mère. L'enfant légitime perd l'usage de son nom patronymique à la suite d'une action en désaveu de paternité. Lorsque le père désavoue la paternité de l'enfant, dans ce cas-là, il n'y aura pas de... L'enfant ne pourra pas acquérir la filiation de son père, mais va juste acquérir la filiation de sa... le nom patronymique de sa mère, plutôt. Parce que le père a désavoué la paternité de cet enfant-là. Donc, c'est ce qui permettra ensuite à ce que l'enfant qui est désavoué par son père puisse tout simplement acquérir, après cela, le nom patronymique de sa mère. Donc, si le père avait comme nom patronymique Ndiaye et qu'il dit après que ce n'est pas son enfant, je désavoue à travers la procédure de désaveu de paternité cet enfant, il va tout simplement après porter le nom de sa mère. Alors, pour la filiation, c'est un lien de parenté qui unit l'enfant à son père. On parlera de filiation paternelle ou à sa mère. On parlera dans ce cas de filiation maternelle. Vous comprenez? C'est un lien de parenté en ligne directe, pour plus de précision. Le lien de parenté qui unit l'enfant à son père ou à sa mère. L'acquisition du nom patronymique par la voie de la filiation naturelle. Il n'y a pas uniquement la filiation légitime, il y a aussi la filiation naturelle. La filiation naturelle, dans le cas de la filiation naturelle, l'enfant porte le nom de sa mère au lieu du nom patronymique de son père. Parce que le nom de la mère qu'il a porté dans ses entrailles, c'est ce nom-là que l'enfant va porter parce que n'étant pas reconnu par son père. Maintenant, si l'enfant est reconnu après par son père, il va prendre le nom de son père. Et on va retourner au système qui est appelé système patrilinéaire, c'est-à-dire le fait que l'enfant puisse porter le nom de son père par référence à la filiation paternelle. Donc, il faudra retenir que lorsqu'il s'agit d'un enfant naturel qui est né hors mariage, qui n'a pas été reconnu par son père, il va porter le nom de sa mère. Mais si le père reconnaît l'enfant qui est né hors mariage, l'enfant va porter le nom du père. La troisième, c'est l'acquisition du nom patronymique par la filiation adoptive. Par la filiation adoptive, ici, on va relever deux situations. La situation de l'adoption plénière et la situation de l'adoption simple. Parce qu'il y a deux situations différentes. Quand on parle d'adoption plénière, c'est l'adoption qui réalise une assimilation complète à un lien de filiation légitime entre l'adoptant et l'adopté. Et ici, l'adoption plénière confère à l'enfant le nom de l'adoptant ou de l'adoptante, la personne qui l'a adopté. On va lui attribuer le nom patronymique de cette personne-là. Et ici, c'est une manifestation de l'intégration parfaite de l'enfant dans sa nouvelle famille et de la rupture totale des liens juridiques avec la famille d'origine. Cela veut dire quoi? Lorsqu'on va procéder à une adoption plénière, l'enfant n'aura plus de lien juridique avec la famille d'origine. On va couper tout lien juridique avec la famille d'origine. Et donc, l'enfant sera intégré totalement dans sa nouvelle famille. Et on va adjoindre le nom de l'adoptant à la fin. Si c'est un enfant à qui les parents avaient baptisé du nom de Astou Ndiaye, et que l'adoptant s'appelle Issa Touré,
dans la procédure d'adoption, ce qu'on va faire à la pratique, c'est tout simplement d'adjoindre le nom de Touré à la fin du nom de l'enfant qui s'appelait tout simplement Fatou Ndiaye. On va mettre Fatou Ndiaye Touré, bien Astou Ndiaye Touré, pour montrer que l'enfant a déjà été adopté et l'enfant appartient à cette famille-là. Maintenant, c'est le fait qu'il y ait ce nom-là, Touré, et qu'on est dans la situation de l'adoption plénière qui fait qu'il n'y aura plus de lien juridique entre l'enfant et sa famille d'origine. Par exemple, en matière d'héritage, l'enfant ne pourra pas hériter dans sa famille d'origine parce que tout lien juridique avec la famille d'origine a été coupé. Pour ce qui concerne l'adoption plénière, si cela a été fait par des époux, l'enfant adoptif va prendre le nom du mari. Donc, si c'est un couple qui va adopter un enfant, l'enfant va prendre le nom du mari. Et pour les enfants du mari, qui sont adoptés par l'épouse de celle-ci, ils vont conserver le nom de leur père. Ils vont conserver le nom de leur père, mais ils ne vont pas conserver le nom du mari de leur mère. Dans l'hypothèse d'une adoption simple, maintenant, tout à l'heure c'était dans le cas de l'adoption plénière. Dans l'hypothèse d'une adoption simple, l'adoption simple n'opère pas de rupture de lien entre l'adopté et sa famille d'origine. Il n'y aura pas de rupture de lien d'origine, de lien juridique. Et dans ce cas-là, ici, l'enfant adoptif va porter le nom de l'adoptant qu'il ajoute au nom de sa famille d'origine. Et il porte les deux noms patronymiques, mais le juge peut, dans l'intérêt de l'enfant, décider que l'enfant adoptif ne portera que le nom de l'adoptant et il se produit alors une substitution de nom. Tout comme dans le cas de l'adoption plénière, où l'enfant va porter uniquement le nom de la famille d'origine, de la famille du moins adoptif. Dans le cas de l'adoption plénière, on va ajouter le nom de l'adoptant. Et donc, dans ce cas-là, cela ne veut pas dire que l'enfant va perdre un lien juridique avec sa famille d'origine, non. Il garde toujours les liens juridiques avec la famille d'origine. L'autre moyen d'acquisition du nom patronymique, hormis la filiation, c'est le mariage. L'acquisition du nom patronymique par le mariage. Ici, le législateur sénégalais ne prévoit pas l'acquisition par le mari du nom de son épouse, mais c'est uniquement l'acquisition de l'épouse du nom de son mari. Et le mariage ne fait pas non plus perdre à sa femme le nom patronymique de naissance qu'elle a. Et ce nom patronymique de naissance qu'elle a sera appelé nom de jeune fille lorsqu'elle va se marier. C'est pourquoi le plus souvent, quand vous voyez dans les documents administratifs, on vous demande de remplir, par exemple, un formulaire. Il y a le plus souvent, on demande nom, prénom. Ensuite, on met en bas nom de jeune fille. Nom de jeune fille, ce n'est rien d'autre que le nom patronymique que vous avez acquis à votre naissance, le nom patronymique de votre père. Et la femme mariée, même si elle acquiert le nom patronymique de son mari par le mariage, la loi nous dit qu'elle conserve son nom. Elle conserve son nom. Son nom de jeune fille, elle la conserve. Et la femme, du fait du mariage, pendant le mariage et durant tout le temps du mariage ou durant tout le temps qu'elle restera veuve, la loi nous dit qu'elle a le droit d'user du nom de son mari. Elle a un droit d'usage sur ce nom-là, le nom patronymique de son mari. Il s'agit tout simplement d'un simple usage. Et le nom qui est acquis par la femme du fait du mariage ne lui appartient pas. C'est un nom qui appartient à son mari. Donc, elle ne peut pas transmettre ce nom à ses descendants. Aussi, il faudra retenir que l'usage par la femme du nom de son mari, elle est aussi facultative. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas obligatoire que la femme utilise le nom de son mari. Et le droit pour la femme d'user du nom de son mari survit même à la dissolution du mariage par le décès, c'est-à-dire lorsque le mariage a été dissous par le décès, le mari est décédé. La femme peut toujours continuer d'user du nom de son mari. Mais après le divorce,
lorsque, par exemple, le mariage a été dissous par le divorce, la femme peut continuer à user du nom de son mari, sauf si ce dernier s'y oppose expressément. S'il y a divorce, elle peut toujours continuer d'utiliser ce nom-là, à moins que l'ex-mari s'y oppose. Et dans ce cas, elle ne pourra plus user du nom de son mari. Parce que le plus souvent, il y a des personnes qui, après leur mariage, ils utilisent le nom de leur mari, ils font parfois le commerce avec, ou bien même dans des documents administratifs, ils signent avec, etc. Maintenant, le mari peut, même après le divorce, laisser et permettre à la femme de continuer d'user de ce nom-là, ou bien tout simplement continuer à l'interdire d'utiliser ce nom-là. Et c'est valable aussi pour la séparation de corps, parce qu'en matière de séparation de corps, la femme mariée peut conserver l'usage du nom de son mari, sauf décision contraire du juge. Sauf si le juge, tout simplement, lui retire le fait de porter le nom patronymique de son mari. Troisième et dernier point, c'est tout simplement l'acquisition du nom patronymique par la décision de l'officier de l'état civil. Parce que ce n'est pas tout le monde qui y a cette possibilité-là d'être reconnu dès la naissance ou bien que l'on connaît ses parents dès la naissance. Parce qu'il y a des personnes dont la famille est inconnue. Et ces personnes-là, il faudrait qu'il y ait une décision de l'autorité publique pour qu'elles puissent acquérir la paix, un nom patronymique. Donc, vu que c'est important pour identifier les personnes qui vivent dans la société, c'est normal aussi que l'on puisse attribuer un nom patronymique à des personnes dont on ne connaît pas leur famille. Parce que le nom patronymique est obligatoire. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas quelqu'un qui va se lever pour dire oui, je vais opter pour le nom patronymique de mon père, je vais opter pour le nom patronymique de ma mère. Non, c'est obligatoire et les modes d'acquisition sont définis par le législateur. La filiation, le mariage ou bien par décision de l'officier de l'état civil. Et si c'est par décision de l'officier de l'état civil, ici, il peut arriver des enfants naissent de parents inconnus et qu'ils soient sans rattachement familial connu. On ne connaît ni leurs parents. On ne connaît pas leur famille également, on ne peut les rattacher à aucune famille. Et pour ces cas-là, au terme de l'article 5, alinéa 1er du Code de la famille, le législateur prévoit que de tels enfants porteront le nom que leur attribuera l'officier de l'état civil. Donc pour eux, c'est l'officier de l'état civil qui va attribuer à ces enfants-là un nom patronymique, parce que l'acquisition du nom patronymique est obligatoire. Et le choix de ce nom que va faire l'officier de l'état civil doit être fait en sorte qu'il ne va pas porter atteinte ni à la considération de l'enfant, ni à celle d'une quelconque personne. Article 5, alinéa 2. Donc, l'officier de l'état civil a le droit de choisir un nom pour cet enfant-là, dont la famille est inconnue, les parents sont inconnus. Mais attention, il ne faudrait pas porter atteinte à l'intérêt de l'enfant, ni à une certaine considération quelconque. Donc, c'est un choix qui vraiment doit être bien réfléchi et bien mûri par l'officier de l'état civil. Voilà un peu ce qui concerne le nom patronymique. Même si en droit français, il y a une loi qui, depuis 2003, qui est entrée en vigueur en 2005, permet à ce que l'enfant puisse faire un choix pour porter soit le nom de son père, soit celui de sa mère, ou bien tout simplement d'accoler dans l'ordre que le décident les parents, le nom de l'enfant. Parce que parfois, vous voyez même, il y a des situations où des fois, la femme dit « je garde le nom de mon père ». Donc, on met en avant d'abord le nom du père, ensuite l'enfant aura le nom de sa mère, ça dépend. Mais en droit sénégalais, il n'y a pas cela. En droit sénégalais, il y a ces trois modes d'acquisition du nom, soit par la filiation, il y a la filiation légitime, la filiation naturelle et la filiation adoptive, et il y a l'acquisition par le mariage, et en dernier lieu, l'acquisition par décision de l'officier de l'état civil. Alors, s'il y a des questions, on va les prendre avant de poursuivre.
l'action qui est liée au prénom. Alors, je vais voir un peu les questions au chat. Ce n'est pas deux modes d'acquisition du kin. Il y en a trois. Il y a l'acquisition du nom patronymique par la filiation. Il y a également l'acquisition du nom patronymique par le mariage. Et enfin, l'acquisition du nom patronymique par décision de l'officier de l'état civil. Ce sont les trois modes d'acquisition du nom patronymique. J'ai donné tout à l'heure la définition de la filiation, le lien juridique qui unit un enfant à ses parents, soit à son père ou soit à sa mère. Et pour ce lien juridique-là, lorsque par exemple l'enfant est né dans le mariage, on parlera d'un nom légitime pour l'enfant qui est né dans le mariage. Lorsque l'enfant est né hors mariage, l'enfant, on l'appellera enfant naturel. Parce que c'est un enfant qui n'est pas issu d'un mariage. Il n'est pas né d'un mariage. Et lorsqu'il s'agit d'un enfant qui a tout simplement été adopté, on parlera d'enfant de filiation adoptive. La filiation de cet enfant-là sera une filiation adoptive. C'est-à-dire, ce qui lie l'enfant à la personne qui l'a adopté, c'est le fait que cet enfant-là soit adopté. C'est tout simplement ça. Oui, pour l'acquisition du nom patronymique par l'officier de l'état civil, ici, c'est lorsque l'enfant, on ne connaît pas l'identité de ses parents ni l'identité de sa famille. Lorsque la famille de l'enfant est inconnue, lorsque les parents de l'enfant sont inconnus, vu que l'acquisition du nom patronymique est obligatoire, il est obligatoire pour chaque individu d'avoir un nom patronymique, l'officier de l'état civil est obligé de tout simplement chercher un nom patronymique pour cet enfant-là. Et vous pouvez après visiter l'article 5 du Code de la famille, parce qu'au terme de l'article 5, alinéa 1er, l'enfant dont l'identité des parents n'est pas connue va porter le nom que va lui attribuer l'officier de l'état civil. Et la loi nous dit que ce choix doit être fait en tenant compte de l'intérêt de l'enfant, parce que le choix qui sera fait ne va pas porter atteinte ni à la considération de l'enfant, ni à la considération d'une quelconque personne. C'est pourquoi tout à l'heure, j'ai dit que l'officier de l'état civil va faire un choix, mais un choix qui doit être mûri par rapport au nom patronymique qui doit être attribué à cet enfant-là. C'est dans le cas de l'adoption plénière, Yacine Ba. Dans le cas de l'adoption plénière, les liens juridiques entre l'enfant et sa famille d'origine ne seront pas coupés. Parce que là, c'est juste une adoption simple. Il n'y a pas de rupture de lien entre l'adopté et sa famille d'origine.
parce que l'enfant adoptif va porter le nom de l'adoptant qu'il va ajouter à son nom de famille. Donc, il va porter les deux noms de famille. Maintenant, là, c'est adopté vraiment total. Parce que ça a tout lien juridique avec la famille d'origine et l'enfant ne portera que le nom de l'adoptant. C'est ce qui fait que tous les liens juridiques avec la famille d'origine sont coupés. Il n'y a pas de filiation simple. On a soit la filiation légitime, Oumar Ibrahim Ali. Il y a soit la filiation légitime, soit la filiation ou la filiation adoptive. Mais il n'y a pas de filiation simple. À moins que vous vouliez parler de l'adoption simple. Parce que le cas d'adoption simple qui est différent de l'adoption première, là, l'adoption simple nous permet à l'enfant de garder le nom de sa famille d'origine. Donc, les liens avec la famille d'origine sont gardés. Mais s'il s'agit d'une adoption qui est une adoption plénière, là, dans ce cas-là, l'enfant sera coupé de tout lien juridique avec la famille d'origine. Donc, vous comprenez? Aïssatou Diop, si l'enfant a été adopté, est-ce qu'il est possible d'avoir un nom? Si oui, il doit porter quel nom? Là, c'est le choix qui doit être fait par l'officier de l'état civil. Mais attention! Si l'enfant a été adopté et qu'on parvient à trouver un lien avec une famille quelconque, si on a établi un rapprochement ou bien un rattachement avec une famille et qu'on connaît l'identité de ses parents, dans ce cas-là, on n'a pas besoin de chercher un nom patronymique pour cet enfant-là. Parce que l'enfant a déjà un nom patronymique. On peut le rattacher à une famille quelconque. Mais là, on parle vraiment du cas d'un enfant dont on a... On ne connaît pas la famille d'origine, on ne connaît pas sa famille, on ne connaît pas ses parents. Les parents sont inconnus, la famille également. Et pour cet enfant-là, l'officier de l'état civil va faire un choix. Il va lui attribuer un nom patronymique, mais ce choix-là qui doit être fait ne doit nullement porter atteinte aux intérêts de l'enfant, ni aux intérêts d'une autre personne. Après le mariage, oui, il y a divorce. Après le divorce, Mariama Ba. La femme peut continuer à porter le nom de son mari. Si vous parlez du nom de son mari, oui, à moins que le mari, après le divorce, refuse. Mais maintenant, si vous parlez du nom de jeune fille, ce n'est pas parce que vous êtes mariée que vous perdez votre nom de jeune fille. Le nom de famille que vous avez acquis à la naissance, vous ne le perdez pas, même si vous êtes mariée. Dans ce cas-là, on l'appellera nom de jeune fille. Filiation, Fatou Sissou, filiation légitime du moins, pas lien. Même si la filiation, c'est le lien qui unit l'enfant à son père ou à sa mère, mais il faudra utiliser la filiation légitime. Madame, un enfant dont le père refuse de donner son nom, et en même temps sa mère a des problème mental. Dans ce cas, cet enfant pourra porter le nom de son grand-père maternel. Alors, à moins que le grand-père maternel puisse adopter l'enfant. Mais si l'enfant n'est pas reconnu par son père, il va porter le nom de sa mère. Et je ne vois pas le fait d'interdire à ce que l'enfant porte le nom de sa mère parce que sa mère a une défaillance des facultés mentales. Maintenant, dans ce cas-là, par rapport à cette situation, la loi nous dit que si l'enfant n'est pas reconnu par son père, un enfant naturel, il va porter le nom de sa mère. Et donc, c'est le nom de la mère qu'il va porter. Si on veut lui attribuer le nom du grand-père, ce serait peut-être une sorte d'adoption qui a été faite par le grand-père maternel. Oui, c'est laissé à l'appréciation du juge. Maintenant, laissé à l'appréciation du juge aussi, mais le mari peut le demander. Le mari peut demander à ce que, lorsqu'il y a, parce que quand il y a séparation de corps, il n'y a pas encore de divorce.
Mais il y a relâchement, ce qu'on appelle relâchement du lien matrimonial. Il n'y a pas de divorce. Parce que là, les époux sont séparés de corps. Peut-être entre-temps, on essaie de voir si ce sera possible après, pour que les époux puissent se retrouver ou pas. Mais là, il n'y a pas de divorce. Mais la femme mariée peut conserver l'usage du nom de son mari, sauf décision contraire du juge. Et là aussi, le mari peut demander à ce qu'il ne porte plus son nom là, et le juge va trancher. La paternité, lorsque la personne refuse ou dit que je ne suis pas le père, qu'il désavoue la paternité, on ne va pas forcer à une personne de reconnaître un enfant. La personne peut désavouer la paternité et ensuite revenir. Maintenant, dans ce cas-là, il y a une procédure à suivre. Un enfant légitime porte le nom de son père. L'enfant légitime porte le nom du mari de sa mère. Parce qu'on suppose que le mari de sa mère est son père. Là, c'est dans le cadre du mariage. Si l'enfant légitime est reconnu par son père, il va porter le nom de son père, Seydou Kandé. Et là, dans ce cas-là, on se retrouvera à la situation de l'enfant légitime. Parce que là, ce seront les mêmes choses par rapport à l'exercice de la puissance paternelle qui seront appliquées lorsque l'enfant naturel est reconnu par son père. Plénière, c'est l'option plénière, pas polancière. Oui, l'adoption plénière coupe tout lien juridique avec la famille d'origine. Adoption plénière, pas polancière. Si l'enfant né hors mariage va porter le nom des parents adoptifs, à moins que ce soit des personnes qui veulent l'adopter. Maintenant, pour l'adoption, il y a deux options. Soit l'adoption plénière, soit l'adoption simple. Mais l'enfant né au mariage a déjà des parents, a déjà une mère. On sait que l'enfant a une mère. Et le père aussi, si le père a reconnu cet enfant-là, l'enfant va porter le nom de père. À moins que l'enfant qui est né hors mariage, d'autres personnes veulent l'adopter. Oui, si c'est une adoption simple, oui. Ibrahim Akka, si c'est une adoption simple, il pourra hériter parce que l'adoption simple ne coupe pas tout lien avec la famille d'origine. Filiation paternelle, c'est un rapport avec le père. Et la filiation paternelle, c'est un rapport avec le père. Quand on parle de filiation paternelle, c'est avec le lien juridique que l'enfant a avec le père. Et dans le cas de filiation maternelle, c'est du côté de la mère. La différence. Alors, nous sommes largement revenus sur ces deux-là, l'adoption plénière et l'adoption simple. Si un enfant n'est pas reconnu par son père et que la mère décide. De lui donner le nom de son père, est-ce qu'il sera reconnu par la loi? Déjà, par rapport à cela, il faudrait que l'enfant soit reconnu par son père d'abord, parce que il y a
Le plus souvent, quand vous allez même faire la déclaration à l'officier de l'état civil, on demande à ce que le papa puisse le faire si c'est là d'un enfant naturel. Parce que là, ça montrera que le père a reconnu l'enfant. Et si le père ne se présente pas, si c'est une autre personne qui y va, l'acte de reconnaissance qu'on demande, un document en tout cas, qui révèle que le père avait reconnu l'enfant avant. Parce qu'à tout moment, si l'enfant, le père, la mère insiste pour mettre demande à ce qu'on mette le nom patronymique du père, le père peut désavouer la paternité de cet enfant-là. Le père peut intenter une action en désavoué de paternité. Bien sûr, rien n'empêche à ce que l'enfant naturel puisse hériter. Alors, pour ne pas trop entrer dans le cadre du cours de succession, parce que pour les successions en droit, il y a deux types de successions qui sont reconnues et qui sont même au sein du code civil, du code plutôt de la famille, pas civil. Le code civil, c'est en droit français. Parce qu'il y a la succession en droit commun, il y a aussi la succession en droit musulman. Si l'enfant vient de naître et qu'après sa naissance, ses parents décident quel serait le nom de l'enfant. Alors, Ramatoulaye Dia, on parle ici du nom patronymique. Hein. Il faudrait que l'on soit très sur la même longueur d'onde. Ici, on parle du nom patronymique. On parle du nom patronymique. Et le nom patronymique pour un enfant qui est né d'un mariage sera le nom patronymique du mari de sa mère. Parce qu'on considère que l'enfant qui est né pendant le mariage a pour père le mari de sa mère. S'il s'agit d'un enfant naturel, l'enfant doit être reconnu par son père pour porter le nom de son père. S'il n'est pas reconnu par son père, il portera le nom patronymique de sa mère. Maintenant, s'il s'agit d'un enfant qui a été adopté, un enfant adoptif, il va porter le nom de l'adoptant. Maintenant, tout dépendra du type d'adoption qui a été faite. Est-ce que c'est une adoption plénière qui coupe tout lien avec la famille d'origine, ou est-ce que c'est une adoption simple qui ne coupe pas tous les liens juridiques avec la famille d'origine? Mais dans tous les cas, l'enfant portera le nom de l'adoptant ou de l'adoptante. Maintenant, si c'est un couple qui l'a adopté, il va porter le nom du mari. Mbaye, pour changer le nom patronymique de ce dernier, il va falloir. Ça dépend du type d'adoption. Ça dépend du type d'adoption. Est-ce qu'il s'agit d'une adoption simple ou d'une adoption plénière? Parce que pour l'adoption simple, on va adjoindre le nom de l'adoptant au nom de la famille d'origine. Si l'enfant est né de l'adultère, de la mère au début, elle porte le nom du mari de sa mère. Et plus tard, le mari apprend que ce n'est pas son enfant. Dans ce cas, le mari peut refuser l'enfant. Bien sûr, il peut intenter une action en désaveu de paternité. Parce que là, l'attribution du nom patronymique à l'enfant, au mari de sa mère, l'attribution de la filiation légitime ici et même de cette paternité-là, c'est une présomption. On fait reposer sur le mari et la mère de l'enfant qui sont mariés, on fait reposer sur lui une présomption de paternité. Si par exemple un enfant est né d'une mère qui a une défaillance mentale violée dans la rue, quel nom porterait? Le nom de sa mère, Omar Lee. Ça, il n'y a même pas à chercher de midi à 14 h. L'enfant a une mère. Si l'enfant n'est pas reconnu, il faudra retenir que pour une personne qui n'est pas du tout mariée, si vous tombez enceinte, cet enfant sera appelé enfant naturel. Alors, l'enfant naturel, pour qu'il puisse porter le nom de son véritable père, il faudrait que le père le reconnaisse. S'il n'est pas reconnu par son père, il va porter le nom de sa mère.
Si la maman a été violée également, il va porter le nom de la maman. Parce qu'on ne connaît pas le père. On ne va pas attribuer le nom à une autre personne. À moins que cette personne veuille adopter l'enfant. Enfant adultère, hein, oui. On ne va pas poursuivre quelqu'un pour avoir désavoué la paternité d'un enfant quand même. À moins que la femme soit vraiment déterminée et que qu'on force peut-être à faire des tests ADN et autres, mais si la personne dit désavoue la paternité, on ne va pas le poursuivre, le forcer à accepter. Parce que ça ne doit pas être un forcing, en fait. On ne doit pas forcer la personne à tout simplement accepter cette paternité-là. C'est d'ailleurs même le pourquoi, dans le mariage, on fait cette présomption-là de paternité qui repose sur le mari de la mère de l'enfant. Donc, si le mari de la mère de l'enfant dit que ce n'est pas mon enfant, il peut intenter une action en désaveu de paternité. Oui, dans le cas de l'adoption plénière, il sera au même pied que les enfants de l'adopté, de l'adoptant du moins, pour le partage de l'héritage, oui. C'est pourquoi d'ailleurs même vous verrez qu'il y a une interdiction de mariage entre les enfants de l'adoptant et l'enfant qui a été adopté. Ça, ce sera au second semestre. Alors, la question de l'adoption plénière, nous y sommes revenus très largement. On ne va pas revenir sur des questions qui sont déjà répondues de grâce. On ne va pas revenir sur des questions qui sont déjà répondues. L'adoption plénière, ce qui le différencie de l'adoption simple, c'est que l'adoption plénière permet de couper tout lien juridique avec la famille d'origine. L'enfant va porter uniquement le nom de l'adoptant. S'il est adopté par un couple, il va porter le nom de ce couple-là. Mais s'il s'agit d'une adoption simple, l'enfant portera toujours le nom de la famille d'origine parce qu'il n'y a pas de rupture de lien entre la famille d'origine et la famille de l'enfant adopté. On va ajouter le nom de l'adoptant au nom de l'enfant qui a été adopté, tout simplement, à son nom de famille d'origine. Je crois que si c'est bon, on peut continuer avec la question qui est liée au... au nom et prénom. Alors là, on n'a pas fait un cours ou bien une étude directe portant sur la filiation, mais là, c'est juste pour vous permettre d'avoir un aperçu par rapport à la filiation naturel, du moins à la filiation. Et parfois aussi la filiation naturelle, parfois il arrive des fois où on parlera de filiation simple parce que l'enfant n'est pas issu du mariage. Le cas de la filiation adultérine, c'est lorsque les parents de l'enfant, l'un des parents de l'enfant était marié au moment de la conception de cet enfant-là. Il y a parfois aussi la filiation incestueuse. C'est des personnes qui ont entre elles, il y a eu un mariage alors que ce mariage-là était interdit en rapport avec les liens de parenté et d'alliance. Donc, vous voyez. Bon, pour la question de la filiation, on ne va pas trop en détailler parce qu'au second semestre, si je ne me trompe pas, il y a une partie du cours qui portera sur la filiation.
Alors, est-ce qu'on peut voir le nom, le ou les prénoms? Marie-Nicole Badji, oui. Si après des années, le père revient pour reconnaître la paternité de l'enfant, ils vont juste aller intenter ce qu'on appelle l'action en reconnaissance de paternité. Nous reviendrons sur ces actions-là parce que je pense que la partie qui concerne, la section qui concerne les actes de l'état civil, il y a une partie qui concerne cela. Le cas des enfants qui sont reconnus après, c'est tout la question de la reconnaissance paternité de cet enfant-là. Il pourra tout simplement changer, en intentant l'action en reconnaissance de paternité, changer le nom patronymique de l'enfant. Et l'enfant maintenant va porter le nom patronymique de sa mère. Parce que le plus souvent, si vous voyez un enfant qui n'est pas reconnu par son père, en général, dans sa pièce d'identité, sur la pièce d'identité, la place du nom du père, on met néant. Ou bien on met juste un astérix pour montrer que l'enfant n'a pas été reconnu par son père. À moins qu'il y ait quelqu'un peut-être qui décide d'adopter l'enfant et on met le nom de cette personne-là. Alors, pour ce qui est prénom, l'article 2, en dehors de son nom, nous dit que le nom comprend le prénom et les accessoires du nom. Le ou les prénoms et les accessoires du nom. Les accessoires du nom, c'est ce qu'on appelle les pseudonymes, les synonymes. Oui, Zidane Georges, on va demander qui est le père. Le père, on met néant parce qu'on ne connaît pas le père ne le reconnaît pas, on ne va pas inventer un père. Le ou les prénoms. Le prénom accompagne le nom patronymique. Tout à l'heure, je vous ai dit que si on est les membres d'une même famille et que chacun des membres de la famille, vu que le nom patronymique est obligatoire, a le nom patronymique de scène, par exemple, si par rapport à ce nom patronymique-là, on n'a pas adjoint au préalable un prénom, un ou des prénoms, à chaque fois qu'on appellera ou qu'on prononcera le nom patronymique Sen, tous les membres de la famille Sen vont répondre par oui. Ce qui pourra véritablement les différencier et les identifier en tant que tel, c'est le ou les prénoms. Parce que ce sont ceux-là, les prénoms, qui accompagnent le nom patronymique. On peut avoir plusieurs prénoms, comme on peut avoir un seul prénom. Si certaines veulent, les parents peuvent attribuer à leur enfant plusieurs prénoms. Il y a certains qui ont un nom kilométrique comme moi. Donc ici, les accessoires du nom, du moins, par rapport avant les accessoires, le prénom. Le prénom ici, c'est un choix. C'est un choix qui est fait par les parents. On n'acquiert pas le prénom ni par filiation, ni par mariage, ni par décision de l'officier de l'état civil. Mais c'est un choix qui est fait délibérément par les parents, de façon libre. Les parents choisissent le prénom de l'enfant à la naissance et ils vont le déclarer à l'état civil. Parce que le prénom est un accessoire qui précède le nom et sert à individualiser la personne dans la famille dont elle porte le nom.
Il faut donc avoir au moins un prénom. Cependant, on peut y avoir plusieurs. Les membres d'une même famille peuvent avoir un ou plusieurs prénoms. Et ces prénoms-là permettent d'identifier les personnes, de les individualiser d'abord au sein de la famille, avant de les individualiser au sein de la société. Parce qu'on peut avoir des personnes qui portent le même nom et le même prénom, le même nom, prénom et le même nom patronymique, sans pour autant avoir les mêmes parents. Ça peut arriver. Mais d'abord, le fait de porter un prénom permet d'individualiser d'abord la personne au sein de sa famille. Et l'article 2, alinéa 3, nous dit que les prénoms sont librement choisis lors de la déclaration de la naissance à l'officier de l'état civil. Ce qui veut dire que, ici, ce n'est pas parce que vous êtes un enfant né de tel qu'on vous donne tel prénom ou pas, non. C'est de façon libre que les parents choisissent le prénom. Ce n'est pas parce que vous êtes marié qu'on vous donne tel prénom, non. C'est à la naissance, lorsque les parents vont faire la déclaration, qu'ils vont dire à l'officier de l'état civil, voici le nom de l'enfant. Au-delà de cela, il y a le ou les pseudonymes. Le ou les pseudonymes, ce sont des accessoires du nom. Et les accessoires du nom, le pseudonyme, le surnom, c'est un vocable supplémentaire qui est ajouté au nom patronymique. On va ajouter quelque chose au nom patronymique. Diallo Dalloz. Quand une personne se fait appeler Diallo Dalloz, là, c'est un surnom. C'est Dalloz qui est le surnom. Ndaye Dragon. Le dragon qui est ajouté, c'est le surnom. Parce qu'on a ajouté le surnom au nom patronymique. Le surnom n'est pas nécessairement choisi par celui qui le porte. Parfois, c'est des personnes qui vous attribuent ce surnom-là. Parce que vous avez fait telle chose, les gens vous attribuent cela. Ndaye Dragon. Ndiaye Cinéma, etc. Quant aux pseudonymes, on peut avoir un ou plusieurs pseudonymes. C'est un nom d'emprunt. C'est un nom d'emprunt qui est utilisé pour préciser l'identité d'une personne. Ici, le nom d'emprunt est choisi par celui qui le porte afin de dissimuler son véritable identité. Donc, vous voyez qu'il y a une différence. Le surnom est choisi par une personne. Ce n'est pas nécessairement la personne qui porte ce surnom-là qui le choisit, mais d'autres personnes peuvent le choisir pour lui. Mais par rapport au pseudonyme, c'est un nom d'emprunt que la personne elle-même, la personne qui porte ce pseudonyme-là, choisit cela pour dissimuler son véritable nom. Par exemple, la personne se fait appeler Molière, alors qu'elle ne s'appelle pas Molière. Certains qui s'appellent Babacar se font appeler Mbaye. Certains qui s'appellent Khadim se font appeler Kha. D'autres se donnent le pseudonyme de Boy Bambara ou bien de Boy Nar. C'est eux qui choisissent le pseudonyme pour dissimuler leur véritable identité. Et le plus souvent, on le voit avec les lutteurs. Quand ils vont tout simplement pour la lutte, ils ont un nom, un pseudonyme qu'ils utilisent en fait pour cela, pour ce métier-là. Ce n'est pas leur véritable nom. Manga 2, Boy Face, etc. Donc, ils choisissent ce qu'on appelle un pseudonyme pour dissimuler leur véritable identité. C'est un nom d'emprunt. Il faudra retenir que le pseudonyme et le surnom ne font pas partie du nom, des prénoms. Ils ne font pas
partie des prénoms parce que ce sont juste soit un vocable supplémentaire qui est utilisé, à savoir le surnom, ou bien tout simplement un nom d'emprunt que l'on utilise pour dissimuler son véritable identité. Ici, on fera référence au pseudonyme. Maintenant, par rapport au régime juridique de ces deux-là, du pseudonyme et du surnom, le surnom et le pseudonyme ne font pas partie du nom de la personne. Article 2, alinéa 4 du Code de la famille. Ils ne constituent pas des éléments de l'identification de la personne juridique. Maintenant, la personne qui porte ce surnom ou un pseudonyme ne peut pas exiger que l'on puisse faire figurer cela dans un acte de l'état civil. Parce que le surnom et le pseudonyme ne se transmettent pas en principe par l'affiliation. On ne peut pas transmettre le surnom. Parce que le surnom est ajouté après le nom de famille. On ne peut pas le transmettre. Donc, on ne peut pas exiger à ce qu'on puisse l'écrire sur l'acte de l'état civil. Maintenant, la connaissance du surnom ou du pseudonyme, des fois, cela peut être utile, surtout dans les actes administratifs ou judiciaires. Parce que parfois, le surnom ou le pseudonyme sera précédé dans ce cas-là par rapport à la reconnaissance des actes administratifs ou judiciaires. Le plus souvent, vous voyez, personne, on ajoute « dit » ou bien « alias ». Abdoulaye Ndiaye alias Boy Nar ou bien Abdoulaye Ndiaye dit Boy Bambara. Donc, c'est ce qui montre ici qu'on a ajouté ici le surnom de la personne pour mieux le reconnaître à travers l'acte administratif ou l'acte judiciaire qui a été dressé pour qu'il n'y ait pas d'erreur, pour qu'on puisse, à chaque fois qu'on dira Abdoulaye Ndiaye, au lieu de se référer à un autre Abdoulaye Ndiaye qui habite à Pikine, par exemple, que l'on puisse savoir que ce n'est pas Abdoulaye Ndiaye de Pikine, mais c'est Abdoulaye Ndiaye alias Boynar. On fait référence à ce Abdoulaye Ndiaye-là. Et donc, dans les actes administratifs ou judiciaires, on peut y mentionner cela. Mais il y aura toujours ce mot-là qui sera précédé, alias ou bien dit. Binta Cham dit Fatou Sen. Abdoulaye Ndiaye dit Boynar, ou bien Binta Cham alias Fatou Sen, ou bien Abdoulaye Ndiaye alias Boynar. C'est ça pour ce qui concerne le ou les prénoms, ainsi que les accessoires du nom, à savoir le surnom et le pseudonyme. Pseudonyme ne veut pas dire surnom. Le pseudonyme et le surnom diffèrent. Pseudonyme, c'est un nom d'emprunt. C'est la personne qui choisit ce nom-là. La personne elle-même, elle choisit son pseudonyme. Un nom d'emprunt. J'emprunte ce nom-là, je vais le porter pour dissimuler mon véritable identité. Il y a des personnes qui s'appellent Babacar. Mais de toute leur vie, vous n'allez pas entendre le nom de Babacar. Ce que vous allez entendre, c'est quoi? Mbaye. Maintenant, si d'autres n'étaient pas peut-être présents à la naissance, qui ne savaient pas que ce Mbaye-là, à la naissance, au moment de la déclaration, on lui a attribué le nom de Babacar. On croira toujours que c'est Mbaye. Jusqu'à ce que vous ayez, vous regardiez peut-être la pièce d'identité ou bien un extrait de son acte de naissance pour savoir que, pourtant, la personne qu'on appelle Mbaye tout le temps, il s'appelle Babacar. Mais on ne le savait pas. C'est un pseudonyme. Pour le surnom, on l'ajoute au nom de famille. Parce que le plus souvent, les gens font on confond cela en fait dans le langage courant. J'ai un pseudonyme, je ne sais pas que c'est un pseudonyme, mais je dis juste c'est mon surnom. Alors que le surnom, c'est par exemple Diallo Dalloz. Quand on dit Diallo Dalloz, Diallo c'est le nom de famille, c'est le nom patronymique. On a ajouté après Dalloz. Donc Dalloz ici, c'est le surnom parce que c'est un vocable supplémentaire qu'on a ajouté au nom de famille. C'est ainsi qu'il faudrait le comprendre. Et ce n'est pas nécessairement choisi par la personne qui le porte. D'autres personnes peuvent le choisir pour cette personne-là. Voilà, Balagaï, c'est un pseudonyme, ce n'est pas un surnom.
C'est ton nom d'emprunt. Il a emprunté ce nom-là. Oui, quand on dit Alassane Silla alias Ino, là également, Vita, c'est par exemple dans le cadre d'un acte administratif ou d'un acte judiciaire, pour plus de précision, cela, le pseudonyme ou le surnom peuvent être utiles maintenant. Dans ce cas-là, pour éviter de confondre Alassane Silla à un autre Alassane Silla, on peut dire tout simplement Alassane Silla alias Ino. Et dans ce cas-là, quand on va lire le procès verbal ou bien peut-être l'acte administratif ou l'acte judiciaire, on saura qu'on fait référence à telle personne qui se fait appeler Ino. Parce que le pseudonyme dissimule la véritable identité de la personne. Dissimule le véritable nom de la personne. Bigue, je viens de dire que ce n'est pas la même chose. Surnom et pseudonyme, ce n'est pas la même chose. Ne les confondez pas. Le surnom est ajouté juste après le nom patronymique. Ce n'est pas vous qui le choisissez parfois. Parfois, c'est d'autres personnes qui vous l'attribuent. J'ai tout à l'heure donné l'exemple de Diallo Dalloz. Peut-être on n'a pas dit le prénom de Diallo, mais ce qui nous intéresse ici, c'est le nom patronymique. Parce que le surnom est un vocable supplémentaire qui est ajouté au nom de famille, au nom patronymique. Alors que pour le pseudonyme, la personne le choisit pour dissimuler son nom, son véritable nom. Alors, pseudonyme, ce n'est pas un nom propre d'une personne. Alors, il faudrait retenir le surnom et le pseudonyme. Ce sont des accessoires du nom. On les appelle les accessoires du nom. Ils ne font pas partie du nom. Ce sont des accessoires. Et quand on dit accessoire, accessoire, on enlève. C'est pas quelque chose qui reste là éternellement. Voilà, le pseudonyme, c'est un nom d'emprunt pour dissimuler la véritable identité de la personne, pour dissimuler son nom. Par exemple, des personnes qui se font appeler par des noms de célébrités, comme l'a dit Begou, dis-moi, par des célébrités, Voltaire, Molière, etc. Ce sont des pseudonymes. Exactement. Le plus souvent, quand vous utilisez, comment on appelle ça, les réseaux sociaux, on vous demande des pseudonymes. Skype, quand Skype était sorti, ce qu'on demandait pour communiquer, c'est de créer un pseudonyme pour pouvoir communiquer, créer votre compte Skype. Et je pense même avec Viber, qui existait autant, c'était ce qu'on demandait. On vous demande de créer un pseudonyme, on ne vous demandera pas de créer un surnom. Mais parce que le pseudonyme, en réalité, le plus souvent, c'est la personne qui se donne ce prénom-là. Je ne dirais pas prénom pour ne pas vous confondre. C'est la personne qui se donne ce pseudonyme-là, qui se fait appeler ainsi. Or, pour le surnom, ce n'est pas très souvent la personne. Ce n'est pas très souvent la personne parce que d'autres personnes peuvent vous donner tout simplement ce surnom-là. Donc, nom ajouté par le public au nom de famille d'une personne, afin de la distinguer des autres portant le même nom de famille et qui se différencie du pseudonyme en ce qu'il n'est pas choisi par celui qui le porte et qu'il n'a pas pour but de dissimuler son identité, mais au contraire de la préciser. Vous voyez, je reprends la définition. La définition est tirée du vocabulaire juridique de Gérard Cornu. Je reprends la définition de surnom. Le surnom, c'est un nom qui est ajouté par le public au nom de famille d'une personne afin de la distinguer des autres personnes portant le même nom de famille et qui se différencie du pseudonyme en ce qu'il n'est pas choisi par celui qui le porte et qu'il n'a pas pour but de dissimuler son identité, mais au contraire, de la préciser. Ça, c'est la définition du surnom.
Je vais vous donner la définition juridique du pseudonyme. Pour le pseudonyme, c'est un nom de fantaisie librement choisi par une personne physique dans l'exercice d'une activité particulière, par exemple une activité littéraire, artistique, commerciale ou autre, afin de donner au public son nom véritable. Vous voyez, j'ai donné tout à l'heure l'exemple de Luther. Ils prennent un nom, du moins ils se choisissent tout simplement un nom de fantaisie pour dissimuler leur véritable identité. Quand vous prenez les lutteurs, vous savez pertinemment que ce n'est pas leur véritable nom, mais ils utilisent ce nom-là juste pour leur activité professionnelle. Ça peut être un nom qui est utilisé pour, par exemple, la théâtre, pour les acteurs, les actrices, pour une œuvre littéraire ou artistique. Vous signez vos œuvres d'art par un nom, pourtant vous ne vous appelez pas ainsi. Ça peut être pour le commerce. Mais l'essentiel, c'est que pour ce pseudonyme-là, vous dissimulez votre véritable identité. Voilà, Diallo Boutique, ça permet de clarifier et de pouvoir distinguer ce Diallo Boutique-là des autres Diallo, pour ne pas qu'il y ait de confusion. C'est ce à quoi sert le surnom. C'est le public qui l'utilise, ce nom de famille-là, pour vous distinguer des autres personnes qui portent ce même nom de famille. Alors que pour le pseudonyme, c'est vous-même qui le choisissez parce que vous allez exercer une quelconque activité commerciale, par exemple, ou bien pour une œuvre artistique ou littéraire, ou bien par exemple un artiste chanteur, ou bien un artiste autre, celui qui fait par exemple de l'art, pas la musique, qui choisit tout simplement un nom. Toutes les fois où il peint ses tableaux, il signe par un nom. Ce n'est pas pourtant son véritable nom. Mais c'est le nom de l'artiste. Il travaille avec ce nom-là. Le musicien, il peut choisir un autre nom qui diffère de son véritable nom, etc. Voilà, Ndiaye Teranga, c'est un surnom. Ce n'est pas un pseudonyme parce que le surnom vient après le nom de famille. Et ce n'est pas vous qui vous donnez ce surnom-là, mais ce sont les autres qui le fassent pour vous distinguer des autres qui ont ce même prénom, nom de famille-là, Ndiaye. Lay Ndiombar, pseudonyme, parce que vous vous faites appeler ainsi. Quelqu'un s'appelle Ibrahima Ndiaye, je suis fort au foot et il y a d'autres Ndiaye dans le quartier. Donc, on me dit comme surnom Ndiaye Zidane. Voilà. Mais au travail, je me nomme, etc. Didier Iso, c'est un pseudonyme. Vous voyez, Cheikh vient de vous donner un exemple qui permet de régler la chose. Ça permet de régler la question. Pour ne pas vous confondre avec l'autre Ndiaye du quartier, on vous dira Ndiaye Zidane. Toutes les fois qu'on dira Ndiaye Zidane, on saura qu'on fait référence à ce footballeur-là qui habite au quartier, à telle famille. Maintenant, au travail, il se fait appeler Didier Iso. Là, on saura que c'est un pseudonyme qu'il s'est choisi lui-même pour son travail, pour dissimuler son véritable identité. Oui, Djamassène. Si vous choisissez d'être appelé Djamassène, oui. Surnom, Moudou, Mo. Attention, Vita, vous êtes en train de vous confondre. Ce n'est pas un surnom, mais un pseudonyme. Le surnom vient après le nom de famille et ce n'est pas vous qui le choisissez, c'est le public qui le choisit pour vous. Ce n'est pas surnom, mais c'est un pseudonyme. Il faut éviter de confondre les autres. Voilà, si c'est clair maintenant, je pense qu'on peut avancer pour voir le droit au nom. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Il ne faut pas confondre pseudonyme et surnom. Le pseudonyme
vous le choisissez vous-même pour dissimuler votre véritable nom, votre véritable identité, alors que le surnom, c'est le public qui le choisit pour vous. Ce sont des personnes qui le choisissent pour vous distinguer des autres personnes qui ont le même nom que vous. Le pseudonyme, c'est un nom d'emprunt. Le surnom, c'est un vocable supplémentaire ajouté au nom patronymique. Voilà, Edouard, c'est exactement ça le pseudonyme. Pour différencier Ndiaye, ce Ndiaye-là des autres Ndiaye du quartier, pour ne pas les confondre. Didier Tico, c'est ton pseudonyme. Voilà. Donc, c'est clair pour tout le monde. Alors, on voit un peu le droit au nom. Ousmane, oui, pour Paulus, c'est un pseudonyme. Alors, pour le droit au nom et à la protection du nom, ici, le droit au nom se manifeste par les dispositions prises par le législateur pour permettre à tous les sujets de droit, personnes physiques comme personnes morales, d'avoir un nom que la filiation de l'enfant soit établie ou non. Donc, cela veut dire ici que chacun a droit à un nom, que votre filiation soit établie ou pas. Ici, chacun a le droit d'avoir un nom, nom patronymique et prénom. Ça permet d'identifier la personne dans la société. C'est pourquoi d'ailleurs même, lorsque les parents de l'enfant sont inconnus, l'autorité publique, c'est-à-dire l'officier de l'état civil, est tenue de donner à cet enfant-là un nom et un prénom. Donc, tout à l'heure, on a dit que pour le nom patronymique, il peut être acquis par l'officier de l'état civil, par une décision de l'officier de l'état civil. Mais l'officier de l'état civil, en réalité, ne va pas uniquement donner un nom patronymique. Il va en même temps aussi donner un prénom à cet enfant-là. Mais ce choix-là ne va pas compromettre la considération future de l'enfant ou d'une autre personne. Parce que c'est choisi vraiment d'une certaine manière à ce que cela ne puisse pas porter préjudice à l'enfant après. Ensuite, Omar Lee, vous allez devoir réécouter l'enregistrement après ou revoir le cours parce que Boy Ndiaye, ce n'est pas un surnom, c'est un pseudonyme. Le Boy vient après le Ndiaye. Ça règle toute la question. Alors, je disais que par rapport à cela, le nom en tant que tel, il apparaît comme un élément nécessaire d'identification de l'individu, de dignité humaine et de socialisation. Je vous ai dit tout à l'heure que le nom permet d'individualiser la personne au sein de sa famille. Ça permet également de l'individualiser au sein de la société. On a un nom, on a un prénom, ou bien on a des prénoms qui précèdent le nom. Toutes les fois où on parlera de ce prénom-là, on saura que c'est pour telle personne qu'on a appelé. Et le droit au nom, c'est un attribut de la personnalité juridique. Ça fait partie des droits de la personnalité juridique. Toutes les personnes, tout sujet de droit a le droit à un nom. Et le nom a un caractère extra-patrimonial. Cela veut dire qu'on ne peut pas l'évaluer en termes d'argent. On ne peut pas le vendre. Et cette nature-là soumet la personne qui porte le nom à un certain nombre d'obligations, en même temps qu'elle imprime au nom un certain nombre de caractères. Ça, c'est pour nous permettre de voir la nature juridique du nom et les caractères du nom.
de la nature juridique du nom. C'est un droit extra-patrimonial. Un droit extra-patrimonial qui constitue plus précisément un droit de famille et un droit de la personnalité. Le nom est un droit de la famille. C'est un droit de famille dans la mesure où il attribue, c'est un attribut de la filiation, où le nom se rattache à l'état des personnes, ou bien le nom, c'est un droit de la personnalité, parce qu'il y a un rapport étroit entre le nom et la personnalité qu'il identifie. Ce rapprochement-là, entre la personne qui porte le nom et ce nom-là même. C'est un droit qui est nécessaire à l'individu pour affirmer et développer sa personnalité dans le milieu social. Parce que si on dira, par exemple, qu'il y a Sidi Bekebe, alors Sidi Bekebe, on le connaît, on sait que Sidi Bekebe, c'est une personne qui exerce dans le milieu, par exemple, politique. Il est très connu, très influent, et par rapport à son travail, on le reconnaît très bien. Le nom qu'il porte, ce droit de la personnalité-là, ici, permet d'établir le rapport qu'il y a entre le nom et la personnalité de la personne par rapport à son travail, par rapport à ce qu'il est. C'est rattaché à la personne. Maintenant, le nom également, au-delà d'être un droit extra-patrimonial, c'est une institution de police civile. Quand on parlera du nom en tant qu'institution de police civile, ici, cela se justifie par la nécessité pour l'état civil d'identifier les individus. S'il n'y avait pas de nom, comment est-ce qu'on allait identifier les personnes au sein de la société? Comment est-ce que l'officier de l'état civil allait pouvoir identifier les personnes? Donc, c'est la raison pour laquelle chaque personne doit porter son nom dans la vie juridique. Et ce nom qui est porté dans la vie juridique, on ne peut pas le changer comme ça. Pour le changer, il y a une procédure à suivre par rapport au changement de nom patronymique et au changement de prénom. Nous y reviendrons. Le changement de prénom, c'est avec l'article 9 du Code de la famille. Le changement de prénom, si je ne me trompe pas, c'est avec l'article 10, entre l'article 10 et l'article 11. C'est l'article 10 du Code de la famille. Mais nous allons voir d'abord les caractères du nom. Le nom a un caractère immuable, indisponible, imprescriptible. Pour le caractère immuable du nom, ici, le principe de l'immutabilité du nom, c'est un principe qui est posé à l'article 8 du Code de la famille sénégalaise. L'article 8 dispose que nul ne peut porter un nom patronymique ni des prénoms autres que ceux qui sont exprimés dans l'acte de naissance. Principe d'immuabilité du nom. Nul ne peut porter un nom patronymique ni de prénoms autres que ceux qui sont exprimés dans l'acte de naissance. L'article 8, toujours à l'énéa 2, on ajoute que il est expressément défendu à tout fonctionnaire ou officier public de désigner une personne dans un acte autrement que les prénoms et le nom patronymique exprimés dans l'acte de naissance. C'est-à-dire, à la personne elle-même, on l'interdit de se faire, de porter un nom ou un nom patronymique ou un prénom autre que celui qui est exprimé dans l'acte de naissance. Je m'appelle Eliane Pauline Gonembaï. J'ai un prénom très kilométrique, accompagné d'un nom de famille. Alors, dans tous les actes administratifs ou bien dans les actes juridiques, au lieu de mettre mon véritable nom,
Moi, je me permets, après tout tact, de mettre un autre nom, Katimbay. Pourtant, ce n'est pas ce qui est dans l'acte de naissance. C'est pourquoi tout à l'heure, on a bien précisé que le pseudonyme et le surnom ne font pas partie du nom. On ne doit pas exiger qu'on les écrive dans les actes administratifs ou judiciaires ou bien dans les actes juridiques. À moins qu'on le fasse pour plus de précision, et pour cela, on va ajouter le mot alias avant d'ajouter le pseudonyme ou le prénom ou le surnom, ou bien on va ajouter dit avant d'ajouter le prénom ou le avant d'ajouter du moins le pseudonyme ou le surnom. Parce que si je le fais, si je me fais appeler autrement, là, je suis en train de faire ce qu'on appelle une soit usurpation de nom ou bien une fausse identité, de donner une fausse identité. Parce que je ne m'appelle pas ainsi. Ce n'est pas ce qui est écrit sur mon acte de naissance. C'est le principe de l'immutabilité du nom. On ne peut pas se faire appeler autrement que par ce qui est écrit sur l'acte de naissance. Et pour même au-delà de ce que ce principe de l'immutabilité-là s'applique à la personne qui porte ce nom-là, il s'applique également aux officiers publics et aux fonctionnaires. C'est-à-dire les maires, les par exemple notaires, les responsables d'école et autres. Ils n'ont pas le droit d'attribuer un autre nom ou un autre prénom à une personne. Pour cela, pour le changement de nom et de prénom, il y a une procédure judiciaire à suivre. C'est pourquoi ici, à l'alinéa 2, on nous dit qu'il est expressément défendu à tout fonctionnaire ou officier public de désigner une personne dans un acte autrement que par les prénoms et le nom patronymique exprimé dans l'acte de naissance. Vous ne pouvez pas, dans un acte de vente, le notaire ne peut pas appeler Satambalo du nom de Koudiagueye. Alors que sur l'acte de naissance de Satambalo, la pièce d'identité qu'on lui a présentée, c'est Satambalo qui s'y trouve. Il ne peut pas venir mettre Khoudia Diallo, Khoudiagueye tout simplement parce que c'est ce nom-là qui le plaît. Il risque d'être poursuivi pour avoir tout simplement fait appeler Sata d'un autre nom que ce qui est exprimé sur l'acte de naissance, alors que c'est un acte de vente d'immeubles qu'ils sont en train de signer. Parce que là, l'erreur, ce qui va se refléter sur le papier, fera que le propriétaire ne sera pas Satambalo, mais Koudiagueye, alors que c'est Sata qui a véritablement conclu le contrat devant le notaire. Les seules limites qui sont appelées apportées à ce principe-là de l'immutabilité du nom, ce sont les cas de changement de prénom et de changement de nom dont j'ai parlé tout à l'heure. Parce que pour le changement de nom, l'article 10 du Code de la famille exige une autorisation par décret pour le changement de nom patronymique. Ce n'est pas ainsi qu'on change de nom patronymique. Au terme de l'article 10, ici, le changement de nom patronymique ne peut être autorisé que par décret. Au deuxième alinéa, on nous dit que la demande sera publiée au journal officiel pendant un délai d'un an. À compter de cette publicité-là, toute personne qui a un intérêt, qui justifie d'un intérêt légitime, peut maintenant s'opposer au changement de ce nom patronymique-là. S'il n'y a pas de décret qui autorise le changement de nom patronymique, on ne peut pas changer de nom patronymique. Il faut avoir une autorisation par décret. On va publier cette demande de changement de nom patronymique au journal officiel du Sénégal. Toutes les personnes intéressées vont prendre connaissance de cette publication-là. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui veut s'opposer au changement de prénom, par la voie de cette publication qui est faite maintenant, il peut saisir le juge pour s'opposer au changement de nom patronymique. Pour ce qui est du changement de nom, de prénom, c'est l'article 9 du Code de la famille qui dispose que les prénoms de l'enfant figurant dans son acte de naissance peuvent être modifiés par jugement en cas d'intérêt légitime. Lorsqu'il y a un intérêt légitime,
on peut demander le changement de prénom. Et on considère ici comme intérêt légitime, par exemple, un prénom qui est ridicule et qui rend difficile l'intégration de l'enfant à la communauté. Ce prénom-là peut être judiciairement changé. Par exemple, quelqu'un qui se fait appeler Derem ou bien Ken Bougoul. Si la personne trouve qu'à cause de ce prénom-là, vraiment, c'est très bien difficile pour elle d'intégrer, d'être accueillie dans la société, de faire telle chose, d'avoir un travail, etc. On peut le changer, mais c'est laissé à l'appréciation souveraine des juges du fond. Le juge va apprécier si véritablement il y a un intérêt légitime pour changer le prénom, oui ou non. Ou bien quelqu'un change de religion et veut changer de prénom et prendre le prénom qui lui a été attribué à sa nouvelle religion. Oui, il y a un intérêt légitime. C'est lié à l'attachement à cette personne-là, à sa nouvelle religion, à sa croyance. Mais s'il n'y a pas d'intérêt légitime, le juge ne va pas faire ce changement-là de prénom qui est demandé. Donc, il faudra retenir que pour le changement de nom, de prénom, il faudrait avoir un intérêt légitime pour demander le changement de prénom. Et en cas d'adoption aussi, le changement de prénom s'opère sur la seule demande de l'adoptant. Lorsque l'adoptant demande à ce qu'on change le prénom de l'enfant, on peut le changer. Et là aussi, c'est très naturel parce qu'il y a une procédure d'adoption. En même temps que la procédure d'adoption se fera devant le juge, en même temps, ce changement-là peut être demandé et être effectué. Oui, le décret présidentiel, oui, c'est pour le changement du nom patronymique. C'est pour changer le nom patronymique, c'est-à-dire le nom de famille. Et ce décret-là sera publié au journal officiel du Sénégal pendant un délai d'un an. À compter de la publicité, pendant un délai d'un an, on permet à ce que toute personne qui a un intérêt à demander, à s'opposer à ce changement de prénom-là, de le faire. Donc, vous voyez. Alors, les caractères du nom, il en reste deux. Il y a le principe de l'indisponibilité. On termine cela, après on pourra lever la séance. L'indisponibilité du nom, cela veut dire que le nom ne peut être cédé entre vifs, ni être transmis par voie testamentaire. Et cette indisponibilité est une des conséquences de la nature de droit de la personnalité reconnue au droit au nom. Parce qu'on a dit tout à l'heure, pour la nature juridique, il y a un droit de la personnalité. Donc ici, le nom ne peut être transmis entre vifs, c'est-à-dire de son vivant, on ne peut pas transmettre son nom. C'est lié également au caractère immuable du nom, parce qu'on ne peut pas changer le nom, on ne peut pas aussi le transmettre. On ne peut pas aussi dire « je transmets mon nom par voie testamentaire », on écrit un testament dès que je décède, donc je transmets mon nom à telle personne. C'est impossible. Les modes d'acquisition du nom, on les a vus par l'affiliation, par le mariage ou par décision judiciaire, par décision du moins de l'autorité, de l'officier de l'état civil, et non par transmission par voie testamentaire, ou bien être cédé entre vifs du vivant de la personne. Et pour cela, il y a des limites également qui sont rattachées au principe de l'indisponibilité du nom. Et ces limites-là, on les retrouve d'abord à l'article 176, alinéa 3 du Code de la famille, lors de la modification du Code de la famille en 1989 par la loi du 17 janvier. C'est pour admettre ici que la femme, après le divorce, puisse continuer à user du nom de son mari, sauf si ce dernier s'y oppose expressément. Et on considère ici que les époux ont conclu ce qu'on appelle un accord tacite par lequel la femme conserve l'usage du nom de son mari. Et le plus souvent, c'est en général pour des activités commerciales. Et même par rapport au nom commercial, c'est-à-dire
le nom que vous utilisez pour faire le commerce, comme étant un enseigne, une marque de fabrique ou autre, ce nom-là, on peut le céder en tant que fonds de commerce dont il fait partie. Mais le titulaire d'un nom peut conserver véritablement à son valablement à son utilisation à des fins commerciales. Parce que si le nom est utilisé à des fins commerciales, on peut consentir à l'utilisation du nom à des fins commerciales. Mais le nom commercial diffère précisément du nom patronymique de par son caractère patrimonial. Parce que quand le nom de famille est utilisé en tant que nom commercial, cela diffère. Parce que maintenant, il aura un caractère patrimonial évaluable en argent. Parce qu'on peut le transmettre en même temps qu'on transmet le fonds de commerce. Par exemple, si l'établissement Ndiaye et Frères, Ndiaye, c'est leur nom de famille. Ils l'ont choisi comme étant un nom commercial pour leur commerce. Maintenant, on peut transmettre ce nom de famille-là, tout simplement parce que c'est lié au commerce. Mais si c'était uniquement un nom qui n'est pas lié au commerce, on n'allait pas le transmettre. Et par rapport à la jurisprudence en droit français aussi, ils admettent des conventions portant sur le pseudonyme. Mais ça, c'est en droit, vraiment en droit français, pas en droit sénégalais. Et le dernier, c'est le caractère imprescriptible, qui découle du caractère immuable et du caractère extra-patrimonial, qui fait que le nom est hors du commerce. On ne peut pas vendre son nom. On ne saurait donc perdre le nom parce qu'on ne l'utilise pas. L'usage prolongé du nom ne nous fait pas perdre cela. Le nom ne peut pas être acquis par prescription. Voilà un peu ce qui est lié au caractère un peu imprescriptible du nom. Est-ce qu'on peut changer de nom, de prénom? Oui, le changement de prénom est possible, mais il faudrait avoir un intérêt légitime pour cela. Une fois adulte, on peut changer de prénom. Prenez l'article 9. Si vous n'avez pas un intérêt légitime pour demander la modification du prénom par jugement, on ne va pas le faire. Parce que d'ailleurs, le jugement va apprécier le motif que vous avez apporté pour le changement du nom. Est-ce que c'est un motif légitime, oui ou non? Pour changer un nom, il y a un montant à payer. Certainement, ce sera les frais de timbre et autres, frais de dossier et autres. Mais par rapport à ce qui doit être payé, je ne sais pas trop. Parce que normalement, quand il y a une procédure judiciaire qui est lancée, il y a des frais qui sont liés au dossier qu'il va falloir payer. Ça doit être ça. Parce que même pour le changement de prénom, le dossier, il y a des droits de timbre qu'il faudrait payer. SARL, Société à responsabilité limitée. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Qui a été donné est exact. Le lien qui relie l'enfant à son père ou à sa mère, c'est ça qu'on appelle filiation. Pourquoi on parle de filiation paternelle ou de filiation maternelle? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut lever la séance pour aujourd'hui. Ce rendez-vous la semaine prochaine pour continuer avec le droit au nom. Surtout la question qui est liée à la protection du nom. Merci beaucoup à tous. L'indisponibilité montre ici que le nom est hors du commerce. On ne peut pas vendre son nom. Mais il y a des exceptions qui sont apportées à ce principe-là d'indisponibilité, Yacine. C'est le cas où le nom patronymique a été utilisé comme nom de commerce. Merci à tous et bonne soirée.